La bataille a dû être incroyable ici. Je dois trouver un moyen de franchir cette barricade. Je dois trouver un moyen de franchir cette barricade. On dirait une sorte de sculpture primitive représentant un être humain. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Je dois trouver un moyen de franchir cette barricade. Je dois trouver un moyen de franchir cette barricade. On a construit ça pour empêcher les gens de sortir plutôt que d'entrer. Je dois trouver un moyen de passer le pont. Même si elle est rouillée, on voit bien qu'il s'agit d'une arme de belle facture. Elle vient probablement de Tolède. La ville était connue pour son travail du métal. Ses entailles sur la lame laissent penser qu'elle aurait servi dans plusieurs batailles. Thank you.
Je dois trouver un moyen de passer le pont. Je dois trouver un moyen de passer le pont. Je dois trouver un moyen de passer le pont. Je dois atteindre la proue. Je dois libérer la bombe. Mmh.
dois libérer la bombe. Je dois libérer la bombe. La boum. Orienter la bombe. Je dois orienter la bombe. Sous-estimer les indigènes, de fiefs coquins. Sous couvert d'une grotte remplie d'or, ils nous ont attirés dans un piège. L'endroit était infesté de monstres, mais après un combat acharné, nous les avons repoussés. Les survivants ont rempli le navire de ce qu'ils ont pu trouver. Le combat a dû affaiblir la grotte, car elle s'est effondrée lorsque nous avons voulu fuir. J'entends encore leur voix d'ici, qui creuse à travers les éboulements. J'abandonne le navire. La sortie doit être après le temple.
Ça doit être les soldats des Trinitaires qui ont disparu.
Il y en a d'autres. Je bouge. Ça devrait pouvoir tourner. Le chapelet est composé de 6 dizaines de grains au lieu de 5. C'est un magnifique exemple de la version de l'ordre de Sainte Brigitte. On dirait qu'il y a quelque chose de gravé. Andrés López ? C'est parti.
deux dates. D'étranges guerriers nous ont poursuivis à travers les grottes, mais nous nous déplacions trop rapidement pour les décrire avec précision. La majorité des soldats sont morts en combattant. Ils ont été vaillants, mais l'ennemi était plus fort et plus nombreux. Lopez, moi-même, ainsi qu'un soldat survivant, sommes arrivés à un temple splendide. Je me demande comment des hommes ont pu construire un tel édifice si profond sous la terre. Une porte massive nous a empêchés d'aller plus loin. Lopez, la voix agitée et haletante, a ordonné à Pérez, le dernier conquistador, de monter la garde pendant qu'il essayait de débloquer le mécanisme d'ouverture. La porte a fini par s'ouvrir, mais notre joie fut interrompue par les hurlements d'agonie de Pérez. Il me hante encore. Premier décembre 1603. J'ai été réveillée en pleine nuit par un bruit étrange. J'ai trouvé Lopez devant le feu qui n'était plus que des braises, comme absorbé. Je lui ai demandé s'il avait, lui aussi, entendu le bruit. Il m'a répondu par un grognement. Je lui ai jeté une couverture sur les épaules et j'ai entrepris de ranimer le feu. Enfin, je me suis assis et j'ai tendu l'oreille. Des cris et des sifflements, probablement déformés par les méandres des boyaux de la grotte. Mais, plus loin, derrière tous ces sons, j'ai discerné un faible bourdonnement. J'ai déjà cru entendre quelque chose d'approchant, mais rarement et seulement au plus profond de mes prières. J'ai cru entendre la voix de Dieu. Derrière cette porte. La boîte est peut-être là.
Je peux plus rien transporter. Faut que j'arrive à faire couler l'eau jusqu'à la roue. Il faut que j'arrive à faire couler l'eau jusqu'à la roue. Il faut que j'arrive à faire couler l'eau jusqu'à la roue. Voilà. Il faut que j'arrive à faire couler l'eau jusqu'à la roue. Il faut que j'arrive à faire couler l'eau jusqu'à la roue. Thank you.
deux portes, évidemment. Mais ça doit être la dernière. Faut que j'arrive à faire couler l'eau jusqu'à la roue. Il faut que j'arrive à faire couler l'eau jusqu'à la roue. Il faut que j'arrive à faire couler l'eau jusqu'à la roue.
trop nombreux. Ces silhouettes, on dirait ces créatures, mais elles sont magnifiques. Yashil, déesse de la protection. La boîte d'argent d'Ishel fut forgée au paradis et portée sur terre. La boîte vient de ces créatures. Ni les faux dieux, ni les fanatiques n'auront le droit de passer. Ils protègent la boîte. C'est pour ça qu'ils m'ont combattu comme ça. Là, ils gardent la boîte jusqu'à la renaissance du soleil. Là! C'est forcément là! De Nouratou. Mais où est la boîte ? Yeah.
Ça y est, j'ai réussi. Je peux m'en servir pour grimper hors d'ici. Oui.
devoir sauter. J'ai pas le choix. Je ne sais pas ce qui me poursuivait, mais ça n'a pas d'importance. Qui a bien pu laisser ces gravures de Héron et d'Éclipse ? Il va falloir que j'en parle à Unuratu.